Salut à tous ces gens, c'est TheplayX3 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play avec la France sur Conquest of Paradise. Laissez-moi sauvegarder. Et voilà, allons-y. En avant. Je pense qu'on peut partir à l'attaque, à l'assaut plutôt de l'Angleterre. Ouais, c'est bien parti pour un avis. Oh là, quoique Autriche. Ouf, pas vraiment une grosse menace. Enfin, je pense. Regardons. Autriche. 30 000. On a plus. Ouais, mais si on additionne l'Angleterre, ils ont. Ouais. Déjà, plus de troupes. Plus de. Cavalerie, parce que c'est puissant. C'est cher, mais c'est puissant. Ouais, j'aurais à prendre des conseillers. Le mec qui réduit la révolte ou le mec qui donne plus d'argent alors qu'il coûte à l'État? Ah, je sais pas. Oh putain, il est niveau 3. Magnifique. Tiens, on va prendre lui, hein. Pourquoi pas. Comme ça, voilà. Et enfin, lui. Non, pas besoin. Ok. Écosse. D'accord. On va y voir l'Écosse. D'accord. Ils sont déjà en guerre avec le Maroc et la Tunisie. Ça, c'est intéressant, ça. Faites des cogs, tiens. Pas besoin. On n'a pas besoin de convertir, donc. Ok. Oh, vivement qu'on ait les idées d'exploration. Oh. Oh putain, ils sont déjà à l'exploration niveau 2. Oh. J'aurais dû économiser des points. Ils sont en train de découvrir avant nous le nouveau monde. Je suis dégoûté. Ou peut-être qu'ils sont partis en Afrique. Je sais pas. J'espère que non. Enfin, non, au contraire, j'espère que oui. J'ai pas envie qu'ils partent vers les Amériques. Allez, il nous faut 400 points, rien que pour un colon, s'il vous plaît. Alors, les coqs sont prêts. Deux. Clac. Oh la vache, la Bourgogne a tellement de troupes. Ouïouïouï. Allez, petit bateau. Voilà. Très bien. Tiens, puis quand il nous reste une seule limite, ben on va faire une barque. Hop,
Comme ça, quand on aura notre navigateur, on sera prêt. Mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas un meilleur diplomate, quoi. Niveau administratif, on est énorme. Militaire, on est moyen, mais diplomatique, c'est ridicule. Je suppose que le roi portugais, il est... Ah non, quoi que... Non, il est aussi... il est au même niveau que nous, en fait. Même pire. Ah mais le truc, c'est que nous, on a plus de relations, alors que lui, il en a pas, donc il en a 6. Donc, non, on est pire que lui, finalement. Ah ça y est, on intègre Armagnac. Allez mec, arrête de nous détester. Soyons amis. Tiens. Ouais. Améliorer les relations là. Je crois que si on va au-dessus de 100, il va peut-être nous enlever de sa liste de rivaux. L'État c'est moi. Oh non, putain. Oh ok, l'État c'est moi. C'est bien parce que je suis français. Lol. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Ah oui. On a plus... on a pas besoin de vous, je pense. Ah si. Voilà. Allez. Olu. On n'a aucune raison d'être ennemis, mec. Soyons amis. Oh, 99. Oh. Allez, arrête. Arrêtons d'être rivaux, soyons amis, alliés, puissants et heureux. Ah, il veut pas. Pourtant, il a confiance. Ouais. Rrr. Oh putain. J'ai du mal à comprendre là. Qu'est-ce qu'on doit faire là pour qu'il. Pour qu'ils disent. Off. Remarque, ils sont pas si mal les Français. Ok, vivement cette idée-là. Voilà, ça c'est fait. Allez, petit épisode tranquille. Où il se passe pas grand chose. Si seulement je pouvais voir ce que fait. Oh là, Naples à la Sardaigne, d'accord. Si seulement je. Hein? Soutien. D'accord. Si seulement je pouvais voir ce que les Portugais voyaient. Oh, l'Angleterre qui envahit ici. Oh, oh putain, ça veut dire qu'ils sont occupés. Préparer les troupes. Là, ça veut dire qu'ils ont des troupes sur place, donc il est très probable qu'il va mettre beaucoup de temps à réagir. Quant à l'Autriche, je me fais pas vraiment de soucis. Oh, et en plus, il y a l'Écosse qui pourra se joindre avec moi. Oh là là. Oh oui, ils pourront se joindre. Par contre, le Danemark, vous me décevez, hein. Quand même. Oh oui, oh oui, l'occasion est là. Laissez-moi sauvegarder avant quand même, on sait jamais. Ok, go, go, go. Pourquoi vous voulez pas rejoindre le Danemark? Voyons voir. Souhaite déclarer la guerre à. D'accord. Ah, il est cordial aussi, d'accord. Ok. De toute façon, on n'a pas vraiment besoin de vous.
Du bois pour le bois. Allez, envahissez-moi ça. Et moi je dis, on laisse la moitié. Voilà, comme ça. L'autre est chargeant. L'autre est chargeant. Ouh, beaucoup de troupes. Ouais. Ça, d'un côté, je m'y attendais. Mais de l'autre, l'Écosse va peut-être pouvoir envahir ici. Enfin, j'espère. J'espère, j'espère. Mais c'est vrai que l'Autriche peut faire peur, quoi. Donc, on a qui en face de nous? Portugal. Ah, mais eux, ils sont occupés. Autriche. On va essayer de d'arrêter les Autrichiens. Oui, ça c'était. Ça se sentait de venir. Charlie, tu seras rebelle, tiens. Une bonne chose de faite. Pourquoi ils se mettent ici? Il n'y a rien à bloquer ici. Poitou, c'est là qu'il faut bloquer. Alors pourquoi ils font ça? L'IA est conne. Aïe, aïe, aïe. Oui, avec plaisir. Et là, comme il n'y a pas de grande menace à porter, et bah, changeons, hein. Voyez voir. Offensif ou défensif? Enfin, offensif ou équilibré. Équilibré. D'accord. Conquête de quoi? Ah, la traîtrise! La traîtrise! Conquête de Provence. Oh! Ils se gênent pas, eux. Ils se gênent pas. Comme ils les ont trahis. Oh la vache, ça fait peur. Oui, va go, vas-y l'Écosse, tu peux le faire. Envahis les Anglais, c'est ça. Oh putain, j'y crois pas. Ouais, en fait, ils ont toutes leurs troupes ici. Oh, la magnifique occasion. Allez-y, essayez de débarquer des troupes, on va rire. Déclaré. Pourquoi il m'aime moi là d'un seul coup? C'est bizarre ça. Oh bref. Oui, blablabla. 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 Et blablabla. Ouais, je pense qu'on peut investir sur lui. Ouais. Voilà. Aïe. Qu'est-ce que tu fous, l'Écosse? Empêche-les de débarquer plus de troupes. Tu as l'occasion de détruire ses armées. Oh, l'IA, 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 l'IA. Creux. Je suppose qu'ils vont attendre que le siège se termine, mais le temps qu'ils attendent, bah, ça sera trop tard, hein. Stupides Écossais. Voilà. Ah, quoique. Oui! GG! GG, les Écossais. GG. Voilà, ça c'est fait. Oh la vache. Ils ont gagné. Ils étaient en infériorité numérique et ils ont gagné. Oh, oh. Excellent.
Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de pays qui lui disent tiens, allez, on va essayer de prendre les idées d'exploration. Mais je sais pas pourquoi ils veulent pas. Ça manque un peu la période European Exercise 3 où t'avais plein de pays qui venaient coloniser. Mais en fait, ce serait. En fait, ce qui serait bien, ce serait un mix entre les deux. C'est-à-dire à la fois qu'il y ait pas mal de pays qui colonisent, mais pas trop. Parce que après, ça faisait de gros blobs. Moche et hideux. Alors ouais. Là d'un côté c'est mieux, mais il n'y a pas beaucoup de diversité. C'est tout le temps Castille, Portugal. Waouh, quelle originalité. Angleterre. Oh, peut-être la France. Ah bah tiens, il y a aussi la Bretagne. Mais c'est tout. C'est vraiment tout. Il y a aussi des fois la Norvège aussi des fois. Mais sinon, je sais pas. Les Irlandais pourraient coloniser la Horse, ça c'est possible aussi. Bref. Oh oh. Ok, ici c'est bon. Allez les mecs, si vous avez résisté à 11 000 hommes, alors vous pouvez résister à 8 000 hommes. Allez! Oh non! Ah! Non, c'est mort. Ah! Oh! Ah! Non, c'est mort. Ah, mais il y a tellement de rebondissements, je sais pas. Et ils ont gagné. GG. GG. Ok, l'Angleterre, parlons. Voyons voir. D'accord. Je veux ça, ça. C'est tout ce que je veux. Oui. La résistance écossaise. Là, c'est violent, là, quand même. Oh, pourquoi ils ont abandonné le siège maintenant? Oh là là là. Gros, oh là, j'ai du mal à comprendre là. Bref. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La Savoie qui est annexée. Ouh. Voyons voir avec qui on est en guerre d'abord. Clac. Bah moi je dis, on envahit Milan. Non. Non, on va rester là et on va attendre que les points arrivent. Pour risquer une bataille navale, mais sans amiral, on pourra jamais y arriver. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que... Ils vont direct à Londres. Oh la vache, non, même pas. What the... Ok. L'IA. Ils sont morts, je pense. Ouais, là ils sont en attaque, c'est mort. Fallait pas être en attaque, les mecs. Et voilà. Oh! Stupide IA! Ah là 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 là. J'avais tellement d'espoir en vous. Wow. Le score de guerre varie tellement avec ces embargos. Juste magnifique. Bon, tu vas pas faire chier, toi. Ok. Zup. Clac. Voilà.
Oh putain, j'essaie de viser le 10%. Voilà. Et bah même là, ils voudront pas. Et comme ça? Même pas. Ouais. Peut-être qu'on aurait pas dû entraîner... On aurait pas dû entraîner les causes de la guerre, je pense. Ouais. Tiens, améliorons la stabilité, parce qu'on peut. Remarque, on pourrait envahir Milan. Ça fera gagner du score de guerre après tout. Ouais. Allons-y. Ok, bon. Je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode. Hein. Et à très bientôt pour la suite de notre Let's Play avec la France. Salut à tous.